Où vous nous suivez Good evening dear beloved depending on where you are good day Ce soir nous nous excusons de nouveau And this evening we apologize again suite à notre retard for being late comprenez les confinements ça change beaucoup de choses With this um, situation a lot of things are have changed Alors nous allons commencer par une courte prière We will start with a short prayer Rapidement là où vous êtes. Quickly where you are. Avant de commencer cette prière. Before we can start this prayer. Invite un frère. Invite a brother. Invite une sœur. Invite a sister. Et dites-lui que nous sommes en ligne. And let them know that we are online. Partage la parole de Dieu. Share the word of God. Partage la parole de Dieu. Share the word of God. bien-aimé a besoin d'attendre ça. Our, the beloved need to hear this. Hallelujah. Amen. Alors nous allons prier. We will pray. Nous allons inviter les Seigneurs We will invite. Qu'il fasse partie de ce moment. So that he can take of this et moment, dans nos vies. Et dans votre vie. And in your lives. Hallelujah. Amen. Merci Père très saint, le souverain Sacrificateur, Dieu qui ne change pas. Le Père de lumière, le Dieu créateur du ciel et de la terre, nous venons en ce moment, éternel le Dieu, t'inviter dans ce plateau, pendant ces temps où nous sommes en train de partager ta parole. Père bénis ta parole. Dieu de gloire, que ta parole touche un cœur, que ta parole délivre une personne, que ta parole libère, éternel, une personne au nom de Jésus. Dieu de gloire, nous refusons tout esprit voleur de tes pensées, voleur de ta parole dans la vie de tes enfants. Que cette parole soit une semence éternelle dans le cœur de ceux-là qui vont l'entendre, père, pour qu'ils produisent de fruits à chaque saison. Au nom de Jésus, car ils grandiront, éternel Dieu de gloire, comme un arbre près d'un courant d'eau, Seigneur, qui produit de fruits à chaque saison, à chaque mois, éternel Dieu de gloire. Ainsi, l'honneur, la gloire te reviendra à paix. Merci, Éternel Dieu de gloire. Soutiens-nous pendant ce temps. Merci pour ton onction, Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de toucher ton peuple. Peu importe où est-ce qu'il se retrouve, dans le nom puissant et merveilleux de celui qui vit et qui règne à jamais. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alors nous continuons bien-aimés dans le Seigneur. Je commence toujours par notre salutation. Nous As... vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et ma salutation ce soir. As we are starting, I would like to salute you in the name of our Lord Jesus Christ and for tonight. Ma salutation se trouve dans Jean au chapitre 5 verset 25. Écoutons ce que Jean est en train de dire et c'est ça ma salutation. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Telle est ma salutation. That is my for you. Amen. Amen. Nous avions beaucoup de questions depuis notre première émission. Nous avons et nous ne pouvons pas continuer sans répondre à ces questions-là. Questions. Je vais juste rappeler certaines questions. I will remind some of the questions. En passant, nous vous bénissons fortement First, uh, let me bless you pour vos questions. For your questions. Ça nous enrichit. It, it, Ça nous pousse encore dans la profondeur de la parole. And Pushing us even further in the Word of God. Alors, bien-aimés, n'hésitez pas à poser des questions. So, do not to ask questions. Il n'y a pas une mauvaise question. There are no wrong Toutes les questions sont bonnes. All questions are good et sont le bienvenu. And are Alors, écoutez les questions. Je vais juste les rappeler et puis je vais commencer à répondre. So, to some of the Nous avons Canada, Assemblée de Saints. Qui a posé quelques questions. One person asked questions. Il dit Je veux savoir pourquoi le diable a fait chuter Adam et sa femme. I would like, and he asked, he would like to know why Satan um, made Adam and his wife fall. Est-ce que Dieu ne connaissait pas tout ça? Did God not know all those things? Pourquoi il a laissé les diables séduire la femme? Why did he let the devil seduce the woman? Pourquoi Dieu n'a pas demandé au serpent? Why did God not ask the snake? La question pourquoi tu as fait, tu as trompé la femme? The question of knowing why he lied to the woman. Mais il a seulement maudit. He only cursed him. Ok, je vais répondre rapidement sur cette question. Uh, quickly, I will answer that, the last question. Merci, cher bien aimé du Canada Ensemble des Saints. Thank you, dear Nous apprécions vos questions. We your questions. Cependant, je demanderai que vous puissiez reformuler cette question. I will ask for you to the questions. Parce que, ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible. It is not as such in the Bible. Hein? Je veux savoir pourquoi le diable a fait chiter Adam et sa femme. Ce n'est pas comme ça que c'est écrit dans la Bible. Nous ne devons pas faire des choses hors ce qui est écrit. Nous ne devons pas comprendre Uh, different than what is written. Alors, bien-aimé dans le Seigneur. So, j'aimerais bien répondre. I would like to answer, mais s'il vous plaît, reformulez cette question. But first the question. Comme ça, nous allons répondre. So we can it. Que le Seigneur vous bénisse. May God bless nous you. attendons la reformulation de la question. We're waiting for the um, Reformulation of the question. Une autre question dont je voulais répondre C'est Panther Fernando from Fernando qui dit who asked, Car la Bible nous dit que Dieu a donné le nom à tous The Bible tells us that God has given everyone a name ça, c'était une partie de sa question. That's part of his question. La première question, nous l'avions répondu la dernière fois. We the first, uh, question last time, qui disait, quel était le nom de la femme? Which asked, what was the name of the woman? Parce que j'avais dit said, que ce n'est pas Eve qui a mangé le fruit. That it is not Eve that ate car the fruit. le nom de Eve because the name of Eve a été donné à la femme après avoir mangé le fruit was given to her after eating the fruit alors sa première question était de savoir quel était le nom de la femme so his, his question was to know what was the name of the woman avant de manger le fruit before eating the fruit et par la suite and il a posé cette question he asked il a posé cette question he asked car le diable Oh, pardon, car la Bible nous dit the Bible tells us que Dieu a donné le nom à tous. That God has given a name. Alors, pour lui, je vais répondre so for him, I'm going to que c'est l'homme qui donnait le nom. That it is men that was the Dans Genèse, au chapitre 2, 2 verset 19 à 20, verse 19 to 20 la Bible dit The Bible says, Dieu après avoir créé les animaux, God after creating the animals, il les amena vers l'homme. Pour voir comment il les appellerait. So that men could name them. Et l'homme a donné gave des noms à tous les animaux. The, a name to each animal. Voilà la réponse pour notre bien aimé Fernando. So that's An answer for our dear Fernando. Ya There's also Mama Deo -gracias, qui avait posé les questions de savoir Who asked? nous préciser qui est la femme. Can you precise who is the woman? Qui est l'homme? Who is the man? Celui qui écoute le langage du serpent. That the one that listens the language of the snake? Et celui qui n'écoute pas. And the one who does not. Merci. Thank you. Voilà pour euh, la question de la femme. So in regards to the question for the woman, nous allons l'expliquer profondément aujourd'hui. Permettez. Allow us. Nous sommes toujours dans notre passage de base. We are still using our, our first, uh, passage. Dans Genèse au chapitre 3. Dans le livre de Genesis, chapitre 3 verset 1, verse 1 à 5, to 5 le premier péché the first sin mais aujourd'hui but today nous ajoutons un sous-thème we have an, another subtitle la femme selon la bible the woman according to the bible ceux qui suivent cet enseignement those following us depuis le début since the beginning nous avions parlé du serpent. We talked about the snake. Nous avions dit que les serpents, we said that the snake, selon la Bible, according to the Bible, signifiaient les satans, means Satan, les diables, the devil, Différents versets que nous avions donnés. Uh, Maintenant, nous avions dit But now we're saying, si nous avions donné au serpent l'essence biblique, la femme aussi doit avoir le sens biblique. The woman also have a Parce que c'est une convention biblique. Because it is a biblical convention. Nous avions la convention d'anatomie. have convention. Et nous avions la convention biblique. Also have the convention. Nous avions la convention de biologie. We have Biology. Et nous avons la convention biblique. And also the Bible. Est-ce que la femme selon la biologie? Is, are we talking about a woman as in, in biology? Et la femme selon la Bible, c'est Or the woman according to the Bible can it be Alors, the same? La Bible va nous parler. The Bible will answer us. Glory to Jesus. Alors la semaine passée, nous avions parlé du langage dont utilisaient les serpents pour parler à la femme. Nous avions vu qu'il y avait trois sortes de langages. Nous avions dit qu'il y a les langages des dieux. There is the language of God. Il y a le langage de l'homme. There is the language of men. Il y a le langage de serpent. And there is the language of snake. Et serpent, c'est le diable, comme nous l'avions dit. And the snake, as we defined it, it's the devil. Alors, écoutez les langages de Dieu. And listen now to the language. Nous voulons ajouter quelque chose avant d'entrer en profondeur. Let me add one thing before going into more details. Genesis chapter two. Genesis chapter two. Au verset 16 et verset 17. Verse 16 and 17. Écoutez le langage de l'Éternel. L'Éternel Dieu donna cet, ce commandement à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le langage de Dieu, In the language of God, il dit à l'homme les jours où the day that tu mangeras you will eat du fruit, the fruit de l'arbre de la connaissance de bien et du mal, of the tree of the of and bad, tu mourras. You will die. Dans d'autres versions, versions, ça dit tu mourras certainement. You will die certainly. Qui veut dire à l'instant même? Which means instantly. Aussitôt que tu manges. As, soon as you eat it, Tu meurs. You die. Écoutez le langage du serpent. Snake, qui est dans Genèse 3? Which is in Genesis 3, Verset 4 à 5. Verse 4 to 5. alors le serpent dit à la femme. So woman, Vous ne mourrez pas du tout. You will not die. Mais Dieu sait que but God knows that les jours où vous en mangerez The day that you will eat vos yeux s'ouvriront Your eyes will open et que vous serez comme de Dieu and you will be like God qui connaissent le bien et le mal. knowing good and bad. Analysons ensemble So reading together avec le langage de Dieu qui vient conclure quelque chose ici Nous sommes toujours dans Genèse 3, Always in Genesis 3 verset 22. Verse 22 La Bible dit L'Éternel Dieu dit God says, Maintenant que l'homme est devenu now that man has become comme l'un de nous like one of us, pour la connaissance du bien et du mal in regards to knowing good and bad. Évitant qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. Let's avoid that he extends his hand to take from the tree of life. À manger et vivre éternellement. Eating and living eternally. <applause> Dieu vient de confirmer quelque chose. God is confirming something. Il confirme le langage du serpent. He's confirming the language of the snake est-ce que quelqu'un selon vous Someone, according to you, qui est mort peut-il encore allonger la main can he again extend his hand, prendre le fruit and take a fruit et manger and to eat it. qui avait raison who was right entre dieu between God et le serpent je te laisse la chance de répondre. I will give you a chance to answer. Alléluia. J'ai donné trois passages. I give you three et différents langages. Alors je te donne la chance de répondre I will give you a chance to answer à cette question. Le serpent dit, vous ne mourrez pas. You will not die. Vos yeux s'ouvriront. Your eyes will open. Vous serez comme des dieux. You will be like God's. Dieu dit. God says. Vous mourrez. You will die. Les jours où vous en mangerez. The day that you will eat it. Au verset 22 du chapitre 3 de la Genèse. And verse 22 of chapter 3, il confirme. He confirms. la vie de l'homme et de la femme. The life of man and the woman as yes the man and woman dit, les let's stop them parce qu'ils sont devenus comme un de nous because they've become like one of us d'allonger leur main let's stop them to extend their et hand et de prendre le fruit de l'arbre de vie and take the fruit de of the tree of life é perpétuellement by fear that they live eternally glory to jesus tu n'as pas répondu encore You have not yet answered. Nous sommes là, merci, merci que Dieu vous bénisse. We are here, thank you all Aussi, for following. May Ma God chère Cassandra. May God bless you, Sister Cassandra. Glory to Jesus. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier pour quelqu'un. Nous allons prier pour quelqu'un à la fin celui qui est malade n'est pas peur Cassandra We will pray for someone at the end Merci prophète Ézéchiel d'avoir partagé le message Thank you for all those who are sharing Glory to Jesus Alors vous n'avez pas encore répondu, je vais avancer. Okay, you have not yet answered, but I will continue. Alors parlant nous comprenons une chose. So therefore we understand one thing en ajout avec ce que j'avais parlé la dernière fois. J'avais dit selon Jésus-Christ, le langage du serpent, the, 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 the c'était le mensonge. Was a lie. Et ça, ça se trouve dans Jean au chapitre 4. 8, verset 44. You can find that in John chapter eight verse 44 Il dit votre père est le diable. He says your father is the devil. Il profère le mensonge. He lies. Nous avions dit proférer c'est parler tout haut. We said that to 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 proffer is to speak loudly. Il, il, la Bible dit lorsqu'il parle de mensonge je parle du plus profond de lui. When he speak lies, he speaks uh, in within him. Alléluia. Et nous avions dit les serpents et les diables. And we said that the snake nous avions donné plusieurs passages. We've given many biblical verses. Si vous le voulez, If you want, vous pouvez les prendre en note encore. Matthieu chapitre 3. 3. Verset 7 à 9. Verset 7 à 9. Apocalypse 20. 20. Verset 2. verse 2 Apocalypse 12 Revelation 12 verse 9 verse 9 Ces versets vous les avez déjà You already have those verses? À passant aujourd'hui uh, just to let you know today Nous allons donner plusieurs passages bibliques. We will give many biblical verses. S'il vous plaît, écrivez-les. Please write them down. Pour que vous puissiez vous référer après. So you can refer yourself to them afterwards. Même si vous n'avez pas de questions maintenant, if you don't have questions lorsque now, vous allez réécouter la vidéo et vous, vous trouvez une question, écrivez-nous. Nous allons répondre le vendredi suivant. The following Friday. Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez ceci. So to this. Jésus nous donne, un, nous, nous, nous donne une autre dimension, Jesus gives us another dimension. du langage de serpent of the language of the snake. Dans Marc au chapitre 8, Marc chapter 8, verset 33. verse 33. Marc 8, Marc 8, verset 33. verse 33. Alors écoutez ceci. So listen to this. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. verset 33. Mais Jésus, se retournant, regarda ses disciples fit des reproches à Pierre et lui dit, « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alléluia. Dieu, Jésus-Christ, réprimande Pierre. Jésus-Christ talking to Peter parce que Pierre était en train de lui dire qu'il ne va pas mourir. Alléluia. Pendant que Jésus était en train d'annoncer la mort honteuse à la croix, the, the was comment il allait souffrir. Et Jésus lui dit, says, arrière de moi, Satan. Says behind me car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu because your thoughts are not the thoughts of God. mais ce sont les pensées des hommes But the thoughts of men. alors par là nous comprenons que so, with notre un langage du serpent c'est la pensée de l'homme is the thought of men. Quiconque qui n'a pas la pensée de Dieu who, whoever does not have the thought of God, est un serpent He's a snake, ou le fils du serpent, or the son of the ou snake, de la race du serpent, or of the race of the snake, Satan. Satan, la pensée de l'homme, c'est aussi le the the langage du serpent. Mais comment connaîtrons-nous la pensée de l'homme? Comment nous allons découvrir la pensée de l'homme? Comment allons si tu n'as pas un discernement comme celui de Jésus, If you do not have comment like tu Jesus, vas tu découvrir la pensée de l'homme? Psaume, au chapitre 17. Chapter 17, La Bible nous dit quelque chose de très intéressant là-bas. Verset 3, Verse 3. C'est David qui est en train de prier. David is praying. Je lis au nom du Seigneur, Psalm 17, verset 3. Psalm 17, verset 3. Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit, tu m'éprouves, tu ne trouveras rien, mes paroles ne dépassent pas ma pensée. Alléluia. Et nous comprenons ici que la parole de l'homme. We understand here that the word of man, dénonce ses pensées, uh, betrays his thoughts. La parole de l'homme. What what the what men say? C'est la pensée de l'homme. Is his thought. Donc quand nous entendons quelqu'un parler, so talk, nous savons qu'est-ce qui se trouve dans ses pensées. We can, we voilà pourquoi Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche heart, parle. Donc au travers la parole, so, word, on voit la pensée de l'homme. Or, selon Ésaïe 55, But, In Isaiah 55 verset 8. Verse 8. La Bible dit The Bible says, le, la pensée de Dieu the of God, est différente de la pensée de l'homme. Uh, Alléluia. Donc quelqu'un qui parle en tant qu'un humain so c'est déjà le langage du serpent. It is already the language of the snake. Pourtant, Dieu est esprit. But God is spirit. Et sa pensée est céleste. His, his L'homme est chair. Et sa pensée est terrestre. And his are Donc quiconque est en train de parler comme un homme so who, as a man, parle le langage du serpent. The language of the snake. Pour répondre à la question de madame, de, Deo avait posé asked, Qui écoute les langages de, du serpent C'est quiconque qui écoute celui qui enseigne la chair. Is whom ever

The language of the snake. Et homme and men ce qui frappe les yeux. considers what attracts the eyes. Donc, tout ce qui frappe les yeux so everything that attracts the eyes ne vient pas du pensée de Dieu. does not necessarily come from the thoughts of God. Nous avions vu ça la dernière fois. We saw that last time. Dieu est en train son serviteur. God is talking to his servant. Le prophète Samuel, Prophet Samuel. Il dit Ne tue pas garde à son apparence. Do not pay to car his je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère ce qui frappe ce regard. Men what his eyes, Mais l'Éternel considère le cœur. But God considers what's in the heart. Donc, suit so men follow the appearance. La pensée de dans the thought of men is in the appearance. Bien -aimé dans le Seigneur. Dear beloved in Christ. Comme Dieu ne considère pas ce qui est physique, ce, ce qui est, est apparence, c'est ce que l'homme considère. That's what Et ça, c'est les pensées de l'homme, qui est le langage du diable. Which is the of the devil. Alors que, so, dans nos cultes, in our churches, nous faisons référence we re, we make à des choses physiques, to things, ce, que les, ce que la Bible nous dit. What the Bible tells us. De ce que la Bible nous dit, From what the Bible nous tells faisons us, référence. We make nous utilisons les choses physiques We use pour expliquer to des choses spirituelles. N'est-ce pas le langage de l'homme N'est-ce pas man? la pensée de l'homme Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous donner un exemple. Let me give you an Par là, je vais répondre that way, I will answer, à la question de mamadéo I will answer the Mama Deo's question qui nous disait qui est la femme which ask who, who is the the dans les jardins in the, the garden hallelujah l'exemple dont je donne the example that I'm giving vous dites que les femmes ne doivent se taire you say that women should be quiet dans l'église in the church la femme ne doit pas prêcher dans l'église. N'est-ce pas church. la pensée de l'homme N'est-ce pas le langage du serpent Isn't that the language of the snake? Parce que nous voyons bien we see que vous interdisez aux femmes de prêcher. You, you, you forbid women to preach. Et les femmes dont nous parlons ici, And the women that we talk, dont vous interdisez de prêcher, ce sont les teach. femmes selon la biologie. Are women, according to biology, Selon leur sexe. according to their sex, ça pas la pensée de That is, isn't that the thought of men? De leur depending on their appearance, Vous leur dites de ne pas you tell them not to preach. Est vrai, il est écrit. It's true, it is written. Alors nous voulons entrer en détail là-dessus. Let's go in details about that. Car là les Romains s'emploient aussi. Because that's where everything falls apart. Alléluia. Qui est cette femme dans le jardin Who is that woman in the garden Qui est cette femme qui doit se taire Who is that woman that must be quiet Nous sommes dans 1 Timothée au chapitre 2 verset 12. We are reading in the book of 1 Timothy chapter 2 1 Timothée chapitre 2 verset 12. First Timothy, chapter 2, verse 12. Laisse-moi trouver ce passage. Nous sommes là. Verset 12. La Bible nous dit ceci. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre autorité sur l'homme, mais qu'il demeure dans le silence. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni à la femme de prendre autorité sur l'homme. Mais qu'elle demeure en silence. C'est Paul qui est en train de dire. Paul. Who says so. Il nous recommande ainsi. C'est so. bien. Écoutez-le encore, Paul. Listen again to Paul. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14. First Corinthians chapter 14, versets 34 à 35, Verse 34 à 35. Il nous dit quelque chose d'intéressant aussi. Something very interesting. Il dit ceci j'ai lu à notre Seigneur. 1 Corinthiens 14 34 à 35. First Corinthians 34. Que les femmes 14, se taisent 34 à 35. 34 to 35. Que les femmes se taisent dans les assemblées car il ne leur est pas permis de parler mais qu'elles soient soumises comme le dit aussi la loi si elles veulent s'instruire sur quelques points, qu'elle interroge leur propre mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Hey, vous comprenez? Do you understand? Paul dit. Paul says. Premièrement, la femme ne doit pas enseigner. First, the woman should not teach. La femme doit garder le silence. Une ne doit pas, elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Il dit que la femme doit se taire. Quand nous entendons cela, When we hear that, cette veut dire to be quiet absence de parole means not speaking, not having words. Mais aujourd'hui, les femmes chantent. Sing, les femmes dansent. Dance, prophétisent They prophesy, prie pray, dans des églises est-ce qu'il y a une contradiction là-bas il dit la femme doit se taire a, a et il dit autre chose And he says again, que parce que l'instruction est bien pour tous Because the is good si for la femme all, veut s'instruire elle, elle doit interroger son mari à la maison Ask her husband at home. Alors pour les femmes qui n'ont pas de mari. So women with no husbands. Où est-ce qu'ils vont s'instruire? Where would, will they learn? Les femmes qui sont veuves. Women who are widows. Où est-ce qu'ils vont s'instruire? Where will they learn? Les femmes dont leur maris sont en voyage. Women which their husband are traveling. Où est-ce qu'ils vont s'instruire? Where will they learn? Est-ce que la parole est destinée seulement aux hommes? Is the word only for men? Et aux femmes mariées? And married women? Ça c'est une question. question. Bien-aimés dans le Seigneur, Dear beloved in Christ, nous cherchons à comprendre. We try to understand qui est la femme selon la question de maman Deo? Who is the, woman according to the question that we received? Paul nous dit que la, la femme doit se Pourtant, nous voyons dans la Bible, in the Bible dans Luke au chapitre 2, verse, 2 verset 36 à 38, verse 36 to 38, ça je vais juste euh, le paraphraser, I will just paraphraser mais écrivez-le à la maison. Write it, Luke au chapitre 2. Luke, Chapter two, Verset 36 à 38. Nous 38, voyons là-bas une femme, a woman prophétesse, veuve, she, well, a widow, qui passait du temps dans le temple. Elle vivait in the dans temple. le temple. In the temple. Elle priait dans le temple. Et un jour,

parce que Paul dit ne doit pas prendre la parole devant les hommes because Paul says a woman should not take uh, authority over a par là nous comprenons que c'est pas des choses physiques therefore we understand that it is not physical things parce que comprenez ceci because understand this dans galates in the, book of Ga in the book of galatians au chapitre 3 chapter 3 verset 27 à 28, verse 27 to 28 celui-là, je vais lire. 27 à 28, la Bible dit quoi 27 28. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme car vous tous vous êtes un en Jésus-Christ Alors je pose des questions à toutes ces assemblées Qui distingue encore les hommes et les femmes? Est-ce qu'ils ont été réellement baptisés? Have they really been baptized? Parce que nous cherchons à comprendre qui est la femme. Because we're trying to understand who is the woman. Parce qu'ici, on interdit à la femme if we forbid the women de parler to talk ici on interdit à la femme if we forbid de prendre l'autorité to take authority. mais ici but here il y a une prophétesse qui était en train de parler de Jésus There is a, a, a prophetess who was speaking about Jesus et Paul lui-même qui a interdit les femmes de parler and Paul himself who forbid it, who forbid women to speak il nous assure que c'est lui qui est baptisé en Christ. Il a, il a, revêtu, il a revêtu Christ. Il n'y a plus ni femme ni homme. Alléluia. Amen. Les choses deviennent compliquées. L'homme chante, la femme chante aussi. Sing, sing L'homme prêche, as well. la femme prêche aussi. aussi. Preach, par là nous comprenons une chose. So therefore we understand one thing. Que les choses de Dieu ne sont pas charnelles. That the things of God are not of flesh. Voilà pourquoi Paul nous le dit encore. That is why Paul tells us again. Il dit la lettre tu. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. But it is the spirit that gives life. Et la pensée de Dieu n'est pas la pensée de l'homme. The thoughts of men are not the thoughts of God. Si nous marchons selon la pensée de l'homme, nous allons lire men, la Bible comme un journal. Read the as a Et beaucoup de gens lisent la Bible comme un journal. Many like ils ne comprennent pas la chose de Dieu. Voilà pourquoi it. ils interdisent à la femme biologique That's why they stop the biological women de prêcher, d'évangéliser. Les femmes sont très combattues. Women are, are, are battled. Parce que quelqu'un n'a pas compris ce qui est écrit. Because someone did not understand what Il was a written. pris la Bible comme un journal. Les langages as a newspaper. de l'homme. The language of the La men. pensée de l'homme. The of men. Les langages of du serpent. The, of the Les langages of snake. du Satan. The thoughts of the, the language of the snake. Alors pour bien comprendre so qui est la femme, who is the woman? selon la Bible, according to the Bible, qui est la femme dans le jardin, who is the woman in the garden? qui est la femme qui doit se taire, qui est la femme quiet? qui ne peut pas prendre l'autorité, qui est la authority? femme qui doit s'instruire à la maison, nous devons d'abord comprendre c'est quoi l'Église. What is the church? C'est quoi l'église? What is the church? Parce que la Bible dit Because the Bible says in the book of Acts au chapitre 17, 17 verse 24. Verse 24. La Bible est en train de dire The Bible tells us le Dieu qui a créé le monde. The God that created man and uh, the world. Qui a fait toute chose qui s'y trouve. That has created everything in it. Lui qui Il, est le Seigneur du ciel et de la terre. N'habite pas not dans des temples, temples faits par les mains humaines. Est-ce que vous avez compris ça Do you understand that? Dieu, God, qui a créé les cieux et la terre, who and earth, et tout ce qui existe, le Seigneur des cieux et de la terre, the Lord of and earth, il n'habite pas dans des de temples, temples que les mains humaines ont construits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par là, nous voyons que l'Église, dans laquelle la femme doit se taire, n'est pas quiet, physique. Physi ce n'est pas selon le langage de l'homme. Ce n'est pas selon la, la, de l pas selon la pensée de l'homme. Car la pensée de l'homme est contraire à la pensée de Dieu. Car la pensée de l'homme, c'est Satan. C'est tout ce qui est physique. Donc l'Église. So the church, dans laquelle la femme ne doit doit se taire which the woman must keep quiet dans laquelle la femme ne doit pas enseigner n'est pas physique écoutez ça dans 1 Timothée au chapitre 3, the book, the Timothy, 3 verset 15, verse 15, ils sont en train de nous dire c'est quoi ce temple-là. C'est quoi l'église? Verset 15, verse 15, la Bible dit ceci, « Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » Qui est l'église du Dieu vivant? La colonne et la pluie de la vérité. Alors, vous comprenez que la, les, les temples ou l'église, c'est la maison de Dieu. Il dit que l'église est la maison de Dieu. It is the house of God. Et la maison de Dieu, c'est quoi? Et la maison de Dieu, qu'est-ce Paul nous donne la précision. Paul tells us, La maison de Dieu, c'est quoi What is the house of Dans Hébreu, chapitre 3, verset 6, In the book of Hebrews, chapter 3, verse 6 nous dit ceci he tells us, Mais Christ est comme un Fils sur sa maison. That Christ is like a on his house. Nous sommes sa maison. We are his home. Si nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance et l'espérance dont nous nous glorifions. Vous comprenez que nous nous sommes la maison du Christ, je m'excuse. Tu the, the Christ. L'église, c'est la maison de Dieu. The church is the home et la maison de Christ. Dieu, c'est nous. And tu es la maison de Dieu. You are the house of une femme aussi est une maison de Dieu. A woman is also the house of Alors, si une femme est une maison de Dieu, une femme est une église de Dieu. Montre-moi. toi qui soutiens que la femme ne doit pas parler. Those who, who support that a woman should not speak, ou prêcher dans l'église or preach in church montre-moi comment ça, cette femme ne doit pas prendre la parole dans la maison de Dieu qui est elle-même cannot take a talk in the house of God which is herself parce que la maison de Dieu c'est toi because you are the house of God c'est moi I'm the house of la God. maison de Dieu c'est la femme c'est la femme selon la biologie according, selon son sexe according to biology, Alors dis-moi comment la femme so me, ne doit pas prendre la parole et enseigner dans la maison de Dieu qui est elle-même Alors pour ceux qui continuent à penser so continue think, que la femme dont La Bible parle d Genèse. That the woman which the Bible speaks about in Genesis où la femme qui doit se taire, or the woman that must keep quiet according to Paul. Un message pour toi. I have a message for you. ecoute Listen to me. Tu enseignes dans l'église? You teach in a church? Tu t'appelles enfant de Dieu? You call yourself child of God? Tu t'appelles disciple de Jésus. You call yourself disciple of Jesus. Écoute ce que Jésus nous dit. Listen to what Jesus tells. Dans Luc chapitre 14. Luke 14. Verset 25 à 26. Verse 25 to 26. La Bible dit ceci. The Bible says. Luc 14. Luke 14. 25 à 26. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, Si quelqu'un vient à moi et s'il il, n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, elle ne peut être mon disciple. Alléluia. Tu t'appelles disciple de Jésus mais tu demeures marié. You call yourself disciple of God but you remain. Et tu dis que la femme doit se dans l'église. married then you say that a woman should keep quiet Jésus dit ceci. Si quelqu'un veut me suivre, If someone wants to follow il you, doit haïr sa femme. He must hate his Il doit his wife. haïr sa femme. He must hate his wife. Pour être son disciple. To be his disciple. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je viens so. juste de le lire. Certains vont chercher à m'attaquer. Non, c'est la Bible qui l'a dit. It the that says so. Ça dit si tu veux être disciple de Jésus, you si tu veux marcher Christ, avec lui, tu dois Christ, haïr ta femme. The woman, Alléluia. Or, la Bible nous dit. But the Bible says, Vous devez aimer vos femmes. Ephésiens chapitre 5. Verset 5, 25, 25. Dit hommes Men. Aimez vos femmes. Love your wives. Comme Christ a aimé l'église. Vous connaissez bien ce verset. You know verse. On l'utilise très souvent dans des mariages. Mais ça semble être une contradiction. To be like a contradiction. Ici si Jésus dit pour être disciple Here Jesus says to be a disciple, we, you must hate the woman et Paul nous dit il faut aimer la femme. but Paul tells us we must love our our, our, our woman understand these things Expliquez-moi Explain that to Bien me. Aimer, dear beloved selon votre pensée charnelle, according to your fleshly comment thoughts, possible How is that possible de aimer et en même temps. To love and to hate at the same time Si tu continues à soutenir la thèse the disant que la femme doit se taire dans l'église et tu es en train de prêcher church, les gens, tu people, prêches la chair, les pensées humaines thoughts, qui, est, qui sont les pensées des diables, le langage du serpent, the language of the snake. alors la femme qui doit se taire, c'est qui je rentre en profondeur maintenant. Now I'm going into details. Zacharie On va révéler les choses, Zacharie. Zacharie au chapitre 5. Zachary chapter 5. Zacharie au chapitre 5. Nous allons voir qui est cette femme. au chapitre 5. Alléluia, nous sommes bénis, nous sommes bénis. Pendant que je cherche le passage, je lis aussi des questions et des commentaires rapidement. Je lis aussi vos questions très rapidement. Nous sommes dans le livre de Zachariah, chapitre 5. Amen, amen, God Dieu vous bénisse. Merci, nous sommes bénis, merci. Merci, merci, merci. Dieu va nous donner la guérison. Posez vos questions, n'hésitez pas. Gloire à Dieu. Alors nous sommes dans Zacharie au chapitre 5. Zachariah, chapter 5. Qui est cette femme qui doit se taire Who is that woman that must keep quiet Zacharie au chapitre 5 verset 7. It's chapter 5, verse 7. La Bible dit ceci. The Bible says Et voici qu'un disque de plomb se souleva et qu'il y avait une femme assise à l'intérieur du boisseau. Verset 8. Et il dit, c'est la méchanceté. Il la jeta dans l'intérieur du boisseau et jeta la masse de plomb sur son ouverture. Alléluia. Nous comprenons ici que la femme, c'est la méchanceté. We can understand here that a uh, woman is wickedness. Dans d'autres versions, dit la femme, c'est le péché. Ce n'est pas une femme biologique, c'est non son sexe. It is not a woman to her flesh. Nous entrons en profondeur ici. We are going deep here. Selon la pensée de Dieu. To the of God. Qui est la femme qui doit s'taire? Who is the woman that must keep quiet. Ici, la femme c'est le péché. The woman is sin. Attention. C'est différent. It is different. de la femme dont la Bible parle dans Proverbes 18 22. It's different than the woman that the the Bible say talks about in Proverb 18 22. Celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Says the one who finds a good wife find happiness. Ça aussi prochainement nous en parlerons. Next time we will talk about that. C'est quoi c'est quoi cette femme qui apporte le bonheur? That woman that brings Alléluia. joy. Oh, gloire à Dieu Pendant que les hommes de Dieu sont mariés, les femmes sont mariées et ils souffrent encore. Qui est cet homme qui va venir me dire que moi j'ai trouvé le bonheur depuis que j'ai épousé he found happiness married? Nous allons entrer en détail si vous posez la question par rapport à ça alors vous comprenez que là la femme qui doit se taire, c'est le péché ici la méchanceté Here you that we're about and sin. qui est l'homme je vais lire un passage intéressant Let me read an interesting passage. dans 2 corinthiens au chapitre 11 11 verset 2 Verse Paul nous dit quelque chose de très important, très capital. Paul tells us very important qui va nous amener dans la profondeur encore plus. 2 de Corinthiens chapitre 11. Two Corinthians, chapter Verset 2. Verse la Bible dit ceci. The Bible écoutez, says, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter en, au Christ comme une vierge pure. <laughs> Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux He says, I've promised you to one husband. pour vous présenter à Christ, hein, to present you to Christ. comme une vierge pure. As pure virgin. Si c'est toujours la femme biologique, still about the women, donc l'homme ne sera pas inclus là-dedans, so in les that. hommes ne sont pas inclus là-dedans. In la pensée de l'homme, c'est l'apparence. It is the les choses physiques. Physical Quand on parle de l'homme, lui voit l'homme. Quand on parle men. de femme, il voit son nez selon le sexe. Ici, Here, Paul, Paul, il dit, is saying, car je suis jaloux I am à votre sujet d'une jalousie de Dieu, a godly parce que je je vous ai fiancés. Because I promise Un seul you époux to one husband pour vous présenter au Christ, to present you to Christ comme une Vierge pure. As a pure virgin. Alléluia. Est-ce que c'est seulement pour les femmes? Is that only for women? Parce qu'on parle physiquement, selon we la convention humaine de la man, virginité, To what men have said about virginity. On voit les we see physical women. La Bible ne parle pas des the Bible does not talk Quand about nous physical things. things. When we teach physical things. We are using the language, language de of Satan. the snake. The language la of, this, of Satan, Manly thoughts. Hallelujah. Or The Bible is telling us who is that husband. Dans Esaïe au chapitre 54. Et Isaiah 54 je vais paraphraser. Je vais paraphraser. Esaïe 54, 54. 24, pardon, 4 à 5. 4 à 5. Esaïe 54, 4 à 5. Isaiah 54, verse 4 to 5. La Bible est en train de nous montrer qui est l'époux. The Bible tells us who is the spouse, who is the husband. Dit, car celui qui t'a fait est ton époux. Because the one who made you is your spouse. L'Éternel des armées est son nom. God almighty is his name. Hallelujah. Donc l'homme qui est l'époux, who is the spouse? C'est l'Éternel. Is God. Dieu c'est l'homme. God is the man. <laughs> Dieu. Les gens vont me dire est-ce que l'homme qui était dans les jardins, c'était Dieu? Je descends. Je descends. Let me go dans down. Jean au chapitre 4 verset 24. John 4, 24, Jésus nous révèle ça. Jesus reveals to us, Il dit Dieu est esprit. God is spirit. Alléluia. Hallelujah. Dieu est esprit. God is spirit. Dieu est esprit. God is spirit. Dans Jean au chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 1. Verse 1 On nous parle de Au commencement était la parole. In the beginning was the word. Donc cet esprit là, c'est la parole. That spirit is the word. Comprenez maintenant l'homme. L'homme. A en lui l'esprit de Dieu. of Celui-là c'est un homme. Is a man. Dans l'homme même. In the man, il y a l'Esprit de Dieu There is the of God qui habite dans le cœur de l'homme. Et la méchanceté de l'homme aussi habite aussi dans l'homme. Voilà pourquoi, that is why, même si tu es converti, even if you've, you've been, you Christ, tu sais quand même you know that, faire le mal. You still know how to do Mais tu wrong. fais le choix. But you choose de ne pas le faire. Not do it. Lorsque tu as trompé ta femme. If you cheat on your Lorsque wife, tu as trompé ton mari. If you cheat on your husband, tu ne vas pas dire que c'est un accident. You will not say it's an accident. Non 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 non. No. Tu connais que c'est mal. You know that it's wrong. Tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est mal. Donc cette, cette méchanceté est en toi. So Mais tu choisis you. de faire le bien. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons we understand that quelque chose de puissant là-dedans. J'avais dit l'esprit est dans l'homme et le mal aussi est dans l'homme. Well. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, nous voyons des gens see qui s'appellent Pierre. That call Peter. Ils ont la clé du ciel. Ils ont la clé du ciel. Ils refusent même de se marier. They refuse to get married. Ils disent non, moi je ne peux pas me marier. I cannot get married. Moi je suis là seulement pour faire l'œuvre de Dieu. I'm only there to do the work of God. Et il s'appelle Pierre. And he calls himself Pourtant dans la Bible, but the Bible says, on nous montre la belle-mère de Pierre. We meet the -in -law of Peter. qui veut dire que Pierre avait une femme. Which means that Peter was Vous comprenez que la Bible ne parle pas des choses physiques. The Bible does not la Bible ne parle physical pas des things. choses physiques. The Bible does not talk about Il ne limite pas les personnes selon leur sexe. Quand on est en train de parler de la femme qui doit se taire, quiet, ce n'est pas la femme physique. It is not the ce n'est pas la femme selon son sexe. It is not a woman according to her sex. Les gens refusent de se marier. People refuse to get married. Ils disent que non. They say that Moi, je suis là pour l'œuvre de Dieu. I'm here for the work of God. Parce qu'ils ne comprennent pas. Because they don't understand. C'est quoi la Bible est en train de dire de ne pas se marier? When the Bible says not to De ne to pas prendre de femme. When says not to take a woman ils ne comprennent pas they don't understand. ils lisent la bible comme un journal they read it as as a, a newspaper la bible ne se reads pas comme un journal the bible you cannot read it as Jamais. a newspaper never le bible a l'esprit à la bible a l'esprit à l'intérieur the bible que... has a spirit within hallelujah donc la femme qui doit se taire ici Therefore, the woman that nous must comprenons c'est que qu c'est tout chaque personne the, that woman signifies each qui a person la méchanceté à l'intérieur de lui, who has in chaque him. personne qui est dans l'ignorance de la parole each de Dieu, c'est une of the femme word of God. It is a woman qui doit s'éteindre dans l'assemblée, qui ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Et l'homme ici, c'est quiconque qui est dominé, It's whoever is dominated by the Saintes Holy Spirit, dominated by the Holy Spirit. Donc la femme, the women that must be quiet qui enseigne la chair, is whomever teaching flesh, qui enseigne la pensée humaine, whomever teaching il il doit the se fleshly teachings. They must be quiet. À partir d'aujourd'hui, starting today. Tu dois te You must be quiet. Si tu prêches la chair, if you teach flesh, Si tu prêches la pensée humaine, if you teach the Tu, human thoughts, you must be quiet. tu es une femme. You are a woman. Même si tu portes les pantalons, Even if you're ça n'a pas rapport avec le sexe. It is not about the sex. Ça a rapport avec les choses spirituelles. It is about spiritual things. Parce que un passage me vient en esprit. Because there is a passage dans Matthieu chapitre 22, Matthew chapter 22, où les sadducéens sont venus voir Jésus. Where? Il lui parle de la femme qui a marié sept hommes. Where he he talks about women, a wife that married seven Man, Et il lui demande à la résurrection cette femme sera la femme de qui Et Jésus lui Et Jésus le dit And Jesus vous says, ne comprenez ni l'écriture, ni la puissance de Dieu, ni la puissance de Dieu. Parce qu'à la résurrection, Because at the resurrection, il n'y aura pas des hommes qui vont prendre les femmes. Women, ni des femmes, des maris. Bien-aimés, nous préparons les gens pour le salut. Nous les enseignons les choses d'en haut. Of, 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 nous ne les enseignons pas les choses de la terre. We are not them nous ne les nous enseignons pas les choses du monde. We are not teaching them things of nous the les world. enseignons les choses d'en haut. We are teaching them heavenly les révélations things. de la parole de Dieu. Revelations of the word le rhôme qui renferme les Écritures. C'est là que nous devons writings. enseigner le peuple de Dieu. That's what people need Donc, to hear. une femme a woman, et est celui qui est dans l'ignorance. Et celui qui est dans le péché. Et celui qui est bien aimé dans le Seigneur. It's someone that... a dans la pensée de l'homme qui men, enseigne la chair flesh, et comprenez que dans l'homme il y a l'homme et la femme oh my God. prochainement je vais vous en parler encore Next time I will parce que talk nous, about nous sommes en train again. de finir donc pour ce qui est concerne de prêcher What is, ni d'enseigner Or preaching, bien aimé ce n'est pas la chair qui enseigne it is not the flesh mais c'est le Saint-Esprit qui est une femme biologique Whether it be a biological physique woman or physical woman, si elle a l'Esprit de Dieu if she has the spirit si of God, elle, a, elle est remplie de raiment si elle est remplie de l'onction de Dieu and she's anointed, si elle est enseignée if she is elle est well sur le chemin, right car Jésus road. est le chemin, la vérité et la vie. Cette sœur peut prêcher, cette sœur peut enseigner, elle peut prophétiser, She can même un homme, s'il est rempli de la pensée de Dieu, with the s'il le a plus du Saint-Esprit, car ce n'est pas la chair qui prêche, ce n'est pas la pensée humaine qui prêche, not the of men that ou preaches, qui enseigne, that teaches, mais c'est le Saint-Esprit qui Spirit enseigne that will teach. parce qu'il enseigne les choses célestes, il enseigne les choses célestes, les choses de Dieu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Jesus. J'espère avoir répondu à la question de Mama Deo. Bien aimé, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Do not Envoyez des questions. Send your questions. Il fallait que nous puissions répondre à des questions. We have to au lieu d'avancer sans répondre, without instead of going Sinon, on allait perdre le answering. fil or else we would have just gone lost alors le jour a venir so the next days nous allons entrer en profondeur we will go even deep reertenez déjà les titres so remember the tiletl esoutem The subtitle premier péché of the first sin sera le fruit interdit. will be the forbidden fruit. Quel est ce fruit what is that forbidden Là, nous fruit? En so we will go in more detail and we will give the revelations. Pour conclure. Bien-aimés dans le Seigneur, beloved, si vous avez le Saint-Esprit en vous, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, si vous avez you, suivi les enseignements, si vous êtes en mesure de prêcher, preach, que vous soyez homme, you be women, femme physiquement, or selon l'anatomie, vous pouvez faire l'évangile, prêcher, preach. You can preach. Que personne ne vous interdise. No C'est lui qui vous amène ces genres de pensée. C'est une pensée humaine. those are la pensée thoughts. pensée pensées Those des hommes. The thoughts Est différentes de la pensée de Dieu. The thoughts of à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous arrêtons you. par là aujourd'hui. Let's stop here today. Maintenant nous voulons prier. Maintenant, nous voulons prier. Now we want to pray. Nous voulons prier. Let's pray. Glory to Jesus. Nous allons prier. Let's pray. Pour Joyce. Uh, nous allons prier. Il y a Cassandra qui a demandé la prière. C'était Joyce. Joyce, c'est Joyce qui a demandé la prière. Good. Nous allons prier pour Joyce. Nous allons demander que Dieu puisse visiter Joyce, que Dieu puisse faire du bien à Joyce, que Dieu puisse accorder la bonne santé à Joyce au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Je vais t'inviter de prier avec moi. Que Dieu visite Joy, Joyce, Moukamina. Nous allons demander la prière. Il est à Kinshasa. Nous allons implorer la grâce et la faveur de Dieu. Moi, je crois fortement que, bien-aimé Joyce, comme vous êtes en train de nous suivre, la puissance de Dieu va descendre sur vous et la grâce de Dieu va vous toucher. Et nous aimerions avoir un feedback, nous aimerions avoir un témoignage pour que le peuple de Dieu bénéficie de la grâce de Dieu. Alléluia à toi, le roi de gloire. Mongua Ibrahim Moussa sacrificateurs, le souverain, sacrificateur, le vainqueur de l'univers. Nous venons dans la présence de Dieu. Nous sommes en train d'implorer la magnificence de Dieu. Nous implorons la puissance de Dieu Tout-Puissant. Père, pardonne ton fils. Père, pardonne, Éternel Dieu de gloire. Lave, Éternel Dieu de gloire, visite-lui au nom de Jésus. Ayez pitié de lui. Yeshua Mashiach, ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Le roi de gloire, ayez pitié de lui. Mighty God, ayez pitié de lui. Laisse que la puissance de la guérison descende sur Joyce maintenant. Pendant qu'il est en train de nous regarder, Seigneur Jésus, pendant qu'il est en train de suivre cette parole, laisse que éternel Dieu de gloire, Jehovah Rapha, les dieux qui guérissent, les dieux qui visitent, puissent toucher Joyce maintenant. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la guérison dans la vie de Joyce. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Joyce, tu vas sentir comme si quelque chose est en train de te toucher sur le front maintenant. La puissance de Dieu est en train de descendre sur toi. La puissance du souverain sacrificateur est en train de descendre sur toi. Hosanna à toi, le roi de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Parce que Joyce est en train de témoigner ta grandeur. Parce que Joyce va témoigner ta faveur. Éternel Dieu de gloire, touche la vie de Joyce. Maintenant, dans le nom de Jésus. « Mungu, impose ta main sur lui. »« Éternel Dieu de gloire, tu as dit, Alléluia, voici le miracle qui accompagnerait ceux qui auront cri. »« À mon nom, ils chasseront les démons. »« Ils imposeront la main sur le malade et le malade sera guéri. »« Seigneur, je suis en train d'imposer la main sur Joyce. »« C'est ta main que j'impose. »« Pendant qu'il est à Kinshasa, Seigneur, la distance n'est pas une barrière. »« Seigneur, la distance n'est pas une barrière. »« Dieu de gloire, la distance n'est pas une barrière. »« Prie, prie avec moi pour que Joyce vive le miracle de Dieu. » Cette gloire reviendra à Dieu seulement. Que la gloire revienne à l'éternel, car c'est à lui. Il est digne de, de recevoir la gloire, l'honneur et la majesté. Seigneur, touche Joyce maintenant. Père, touche Joyce maintenant. Dieu de gloire, touche Joyce maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie pour son oreille côté droite. Mumba mbingu c'est là la source de tout le problème. Père, je prie pour son oreille côté droite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Je souffle à l'intérieur. Je souffle à l'intérieur. Débouche-toi au oh nom puissant de Jésus. Father, let the mighty power of healing come upon Joyce right now. Laisse que la puissance de guérison descend sur Joyce maintenant au oh nom puissant de Jésus. Merci, Dieu de gloire. Merci, Yeshua Mashia. Merci, Mungo Ebrahim Saganakobo. Yeshua Mashiach va commencer à bien entendre. Côté gauche, côté droite, au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la guérison. Je déclare la visitation. Quiconque est en train de me suivre, malade, maintenant, je déclare la guérison. Que la guérison de Dieu te touche. Que la guérison de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la guérison vienne sur toi maintenant. Quiconque malade, quiconque souffre, n'importe quelle autre maladie. Je déclare la guérison. Je déclare la visitation. Je déclare la puissance de Dieu. Je déclare la gloire de Dieu. Je déclare le témoignage dans ta vie. Maintenant que tu témoins la faveur. Que tu témoins la faveur. Toi qui as les droites qui te dérange. Tu as comme une migraine, je déclare que Dieu, Alléluia. Merci Saint-Esprit, toi qui es en train de révéler les choses. Hosanna à toi le Roi de gloire, my God, my Savior, the King of Kings, mighty Jesus. J'aime quand tu es parmi nous, j'aime quand tu mouves. J'aime quand tu bouges, c'est de gloire. Tu es en train de bouger les eaux maintenant, tu es en train de bouger les eaux. Quiconque descend à l'intérieur maintenant reçoit sa visitation. Si tu comprends ces choses, dit ta et reçois ta part. In the mighty name of Jesus, quiconque est malade maintenant est en train de recevoir la visitation de Dieu, la guérison de Dieu. Je prie et je déclare, Hosanna à toi, le roi de gloire. Let the power of God come upon you. Laisse que la puissance de Dieu te touche. Laisse que la puissance de Dieu te touche. Au oh, nom puissant de Jésus-Christ, gloire et honneur soient rendus à notre Dieu. Hosanna à toi, le roi de gloire. Merci Seigneur pour cette visitation. Merci Dieu de gloire pour cette visitation. Merci Seigneur de toucher ton peuple. Merci de visiter celui-ci, Seigneur Dieu de gloire, ou celle-là qui a un problème aux yeux éternels Dieu de gloire. Merci Seigneur, l'aide droite. Je bénis Seigneur ton nom parce que tu es en train de visiter. Merci parce que tu es en train de le toucher. In the name of Jesus, gloire et honneur puissent être rendus. ânes à toi, que Dieu de gloire puisse te toucher. Et Dieu de gloire te visite, et Dieu de gloire te fasse du bien Que le Seigneur t'accorde le salut, que le Seigneur t'accorde Hallelujah, la bonne santé, in the mighty name of Jesus Gloire et honneur te soient rendus Merci Jésus, merci Jésus, merci pour ce temps de prière, merci pour ce temps de parole Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu déclares que nul et sans effet puisse être quelconque maladie dans ta vie, dans la vie de ta famille. Tout ce qui peut attaquer ta famille, peu importe, bien aimé, ayez l'habitude de prier pour vos familles, ayez l'habitude de bénir vos familles, ayez l'habitude de refuser tout le plan de l'ennemi. Je mérite que tu t'élèves maintenant et que tu refuses tout, tes, tout plan de l'ennemi, bien aimé. Que les choses qui lancent dans l'air ne puissent pas t'atteindre. Le plan de l'ennemi c'est de faire, de, de tuer tout le monde, de, de, de diminuer le nombre de la population. Bien aimé, nous sommes en train de refuser ces plans au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. Est-ce que tu peux élever ta voix Tout ce que l'ennemi est en train de planifier ne puisse pas atteindre ta famille. Harabi wa baba, prie, 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 prie. Mungwa Ibrahimu. yes umungu mwenye kuishi na kutawala wari kanda kanda malizae je déclare la guérizon seigneur je refuse Tout plan de l'ennemi, tout projet diabolique qui s'attaque à nos enfants, aux enfants de Dieu, à nos familles. Père, je déclare la guérison. Je refuse cela, Seigneur. J'invoque le fait de Dieu. Laisse que le fait consigne tout esprit négatif, tout esprit qui vient pour déstabiliser ton peuple, tout esprit qui vient pour voler la parole de Dieu à l'intérêt de ton peuple. Je déclare cela Nul sans effet. Let the fire of God come and burn them in the name of Jesus. Hallelujah. Toi, le roi de gloire. Mungwa Ibrahim Moussaranakobo, le souverain sacrificateur, le vainqueur de l'univers. Je déclare la guérison, je déclare la guérison, je déclare échec à tout plan de l'ennemi, toute plante que le Père n'a pas séné. Je suis en train de déraciner au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Bien aimé, nous allons conclure. C'est prier pour l'Afrique, Prie pour l'Afrique parce que le peuple africain. Euh, et les cibles, bien-aimés dans le Seigneur, de plans machiavéliques et diaboliques. Nous allons prier pour l'Afrique. Nous allons demander que Dieu soutienne l'Afrique, que Dieu intervienne sur l'Afrique, qu'il intervienne sur le peuple de Dieu en Afrique, même ceux-là, qui ne croient pas que lorsqu'ils verront la main de Dieu sauver l'Afrique, bien-aimés dans le Seigneur, ils croiront au nom de Dieu et ils viendront vers le Seigneur car notre objectif c'est de peupler le ciel et de dépeupler l'enfer. Maintenant intercède pour l'Afrique, prie pour la RDC, prie pour ton pays, le Rwanda, le Burundi. Bien-aimé, prie pour les, euh, euh, le Cameroun, prie pour euh, la Côte d'Ivoire, prie au nom de Jésus. Alléluia toi. Le Sierra Leone, je déclare à la visitation de Dieu. Père, protège éternel le Rwanda, Yesu soit machia. Protège la RDC, le roi de gloire, Mungu protège. Et ce si nous déclarons même la paix dans ces dans cette dans ces Pays, nous déclarons éternel de, de gloire, la tranquillité et la mighty name of Jesus, toi qui secours ton peuple. Seigneur, souviens-toi de, de ton peuple. Tu as dit, oh éternel, le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il Simili il se détourne de ses mauvaises voies, il abandonne le péché. Seigneur, lorsqu'il t'invoquera, tu viendras et tu guériras ce pays. My God, guéris l'Afrique, guéris l'Afrique. Contre tout Seigneur Jésus, plein diabolique, Seigneur, machiavélique qui vient pour détruire ce peuple. Mungu, il y a beaucoup de jalousie par rapport à ce peuple. Dieu de gloire, soutiens l'Afrique. Soutiens l'Afrique, soutiens ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Père très saint. Nous prions également pour le Canada où est-ce que nous vivons, qu'il y ait la tranquillité, la bonne santé et que cette maladie coronavirus puisse partir. Nous revenions. Éternel Dieu de gloire dans le cours de la vie. Euh, comme nous avons toujours vécu dans les noms puissants et merveilleux de Jésus. Que les assemblées se retrouvent ensemble, que le frère se retrouve encore ensemble, car la Bible dit il est bon et agréable aux frères de demeurer ensemble, car c'est là que tu déverses la bénédiction. Merci Seigneur, parce que tu vas éclairer toutes ces choses, et tu vas enlever toute confusion, car c'est toi notre solution. Gloire et honneur te soient rendus. Merci Seigneur Jésus, merci Dieu de gloire, merci vous qui est en ligne, nous déclarons des bénédictions pour ces studios de Joe Gualdino. Nous déclarons que Dieu puisse visiter encore, qu'il te touche, qu'il touche ton cœur, afin que tu finances ce travail qui est en train d'aider l'épanouissement le, le de l'évangile, l'épanouissement des enfants de Dieu, au nom de Jésus. Un conseil pour finir, bien aimé, n'écoute pas n'importe quoi, suis la parole de Dieu. Ce que je viens d'enseigner ne fera pas de toi un enseignant, ne fera pas de toi une enseignante ou un prédicateur ou une prédicatrice. Viens aux enseignements, contacte-nous, nous allons te donner la profondeur de la parole de Dieu, car nous ne parlons pas de tout ce qui est écrit en ce lieu sur le studio. On fait que l'évangélisation, et nous avons besoin que tu apprennes encore davantage, viens et tu serviras les Seigneur. Ne cherche pas les deux versets que tu as maîtrisés et que tu deviens pasteur pour rien. Un homme sans généalogie, qui n'a aucune origine, ni père spirituel, ni quoi que ce soit. Bien-aimé, viens et nous allons nous asseoir et partager. Quiconque a une opinion contraire, n'hésitez pas. Si vous avez le courage, entrez en ligne, prêchez, nous allons vous suivre. Ou si vous voulez, venez sur le plateau en ce lieu. Nous allons débattre avec la connaissance que vous avez. Éprouvez-moi selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous dites est vrai, ce n'est pas selon tes pensées. Si tu dis que c'est selon tes pensées, ça ne marchera pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. Partagez la vidéo euh, et invitez d'autres personnes à la prochaine. Vendredi, nous serons encore ici. Nous allons parler des fruits interdits. Nous vous aimons tant. Nous vous embrassons. Que Dieu vous fasse du bien. Merci.